Dans l'horaire, bah, je vous propose qu'on commence. Déjà, bienvenue à tous. Il y a normalement plus de 120 personnes qui sont inscrites. On verra après si elles rejoignent en cours de nombre, mais on va essayer de tenir à peu près les distances. Donc, on est notre troisième séminaire du groupe Génétique et Cancer. Donc, après la maladie de Cowden, la neurofibromatose, nous passons au syndrome de Gorlin et son actualité. Et donc là, on va avoir un joli trio avec deux cliniciennes et Nicolas, donc qui va s'occuper des aspects moléculaires. Donc, je pense qu'ils sont à peu près répartis le temps de travail. Donc, on part pour grosso modo un quart d'heure. On n'est pas à une minute près pour chaque intervenant. Donc, surtout, alors désolé, ceux qui étaient là l'ont entendu, on vous coupe la parole. C'est pas très démocratique, mais sinon, on n'y arrive pas en fait. Mais par contre, le chat, vous êtes complètement ouvert. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure à mettre votre question. Et moi et Antoine, on relayera toutes vos questions à l'oral. Donc, s'il y a des questions à la fin de chaque topo, on en fera part tout de suite. Et puis, si les orateurs ne sont pas trop bavards, s'il reste en plus un petit peu de temps à la fin, bah, on pourra reprendre des questions qui auront été oubliées. Donc, j'en dis pas plus. On accueille du beau monde, puisqu'on accueille Léa Guérini-Rousseau, qui est pédiatre à Gustave Roussy et qui va donc commencer la session donc sur le syndrome de Gorlin. À tout à l'heure. Du coup, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. D'accord. Donc, bonjour et d'abord, merci beaucoup de me proposer d'intervenir dans ce webinaire. Donc, effectivement, je m'appelle Léa Guérini-Rousseau, je suis pédiatre oncologue à Gustave Roussy et je suis en charge effectivement de l'oncologie pédiatrie, en particulier des patients avec des tumeurs cérébrales, mais également de l'oncogénétique dans le cadre du département à Gustave Roussy. Donc, je ferai la partie plutôt pédiatrique du syndrome de Gorlin avec effectivement un topic encore un peu plus spécifique sur la partie oncologique. Il faut juste que j'arrive à faire passer mes diapos. Voilà. Un très bref rappel, parce que comme je suis la première oratrice, ça me permet de rebrosser le tableau du syndrome de Gorlin. Ensuite, on fera une première partie qui sera un petit peu plus spécifique sur les prédispositions, enfin le méduloblastome associé aux mutations constitutionnelles dans le gène SUFU et PATCH1. Et puis, enfin, la deuxième partie du topo concernera plutôt spécifiquement les mutations constitutionnelles de SUFU avec les autres tumeurs qu'on peut retrouver dans ces syndromes et en particulier les tumeurs pédiatriques. Donc, comme vous le savez tous, effectivement, le syndrome de Gorlin, c'est des critères cliniques avec un certain nombre de critères majeurs et des critères mineurs. Et puis, il faut remplir deux critères majeurs ou un critère majeur et deux critères mineurs pour pouvoir, on va dire, proposer le terme de syndrome de Gorlin. Effectivement, ça implique des gênes de la voie Sonic Hedgehog, pour lequel on sait que cette voie est impliquée à la fois dans le développement embryonnaire et la prolifération et la différenciation cellulaire. Et donc, on va avoir un syndrome qui va à la fois être caractérisé par des anomalies du développement, comme la macrocéphalie, certaines dysmorphies, certaines caractéristiques faciales, les bosses frontales, l'hypertélorisme, etc. Mais également une prédisposition tumorale dont les plus connues sont celles à la prédisposition au méduloblastome, au carcinome basocellulaire et au méningiome. Les gènes, les deux principaux gènes associés au syndrome de Gorlin sont les gènes PATCH1 et SUFU. Mais on sait aussi qu'il y a d'autres gènes dans cette voie, et en particulier PATCH2 et GPR161, qui peuvent être impliqués dans la survenue de cancer, et en particulier par rapport nous, au méduloblastome GPR161, et un des derniers gènes de prédisposition publiés dans les méduloblastomes. Donc, première partie où je me focalise un peu plus sur le méduloblastome. Donc, un bref rappel, le méduloblastome, c'est une tumeur cérébrale maligne de l'enfant. C'est la deuxième cause de tumeur cérébrale chez l'enfant et c'est une tumeur qui est localisée au niveau du cervelet, au niveau de la fosse postérieure. De manière un petit peu plus historique, on avait une description qui était essentiellement anatomopathologique avec cinq sous-types de méduloblastome, dont les principaux associés au syndrome de Gorlin étaient les desmoplasiques ou les anodularités extensives.
Et puis à partir des années 2010, avec l'avènement des séquençages moléculaires tumoraux, on a vu émerger, et on va rester un petit peu simple, quatre gros groupes, parce que maintenant il y en a plus d'une douzaine avec des sous-groupes dans chaque grand groupe qui sont décrits et qui dépendent des caractéristiques moléculaires des patients, mais également avec certaines caractéristiques phénotypiques et cliniques d'âge de survenue, etc. Et donc vous voyez que celui qui va nous intéresser, nous, pour le syndrome de Gorlin, c'est l'hémiduloblastome SHH que vous voyez en rouge sur le schéma du milieu et qui concerne plutôt soit les très jeunes enfants, soit les plutôt adolescents, adultes jeunes. Pour être très, très simple, le traitement il est basé sur la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Et tout en bas à droite, vous voyez un diapositive qui est un petit peu ancienne, mais qui montre la complexité du traitement parce qu'elle dépend à la fois de l'âge de l'enfant, de l'extension de la tumeur, mais également de la biologie de la tumeur. Et donc, on va vraiment avoir des traitements qui sont très variables. Sur le plan de la prédisposition au méduloblastome, en 2018, on a une grosse étude allemande qui a publié les séquençages moléculaires de un peu plus de 1000 patients qui avaient atteint un méduloblastome. Et parmi ces 1000 patients, il a pu mettre mis en évidence qu'on trouvait chez 2% de l'ensemble de la cohorte de patients atteints de méduloblastome une mutation soit dans le gène SUFU, soit dans le gène PATCH. Et que quand on se focalise un petit peu plus sur les sous-groupes, on voit que ces anomalies sont présentes dans 11% des méduloblastomes du sous-type Sonic Hedgehog, et que quand en plus on se focalise sur les patients les plus jeunes, on peut monter jusqu'à 21% de patients avec une prédisposition dans la voie Sonic Hedgehog, en tout cas dans SUFU et PATCH, chez les patients de moins de 3 ans. Quand on regarde en bas à gauche de la diapositive, P53, c'est plutôt, on va dire, chez les enfants à partir de l'âge de 3 à 5 ans. Et les gènes PATCH1 et SUFU sont présents essentiellement pour le gène SUFU chez les patients les plus jeunes, les moins de 3 ans. Et on voit que la part de la petite bande noire par rapport à la petite bande rouge est à peu près, on va dire, dans les autres sous-groupes de méduloblastome, on peut avoir d'autres types de prédispositions, en particulier dans les méduloblastomes de la voie Wnt, on a une prédisposition de type APC. Et puis, quand on regarde finalement le risque que les patients avec un variant constitutionnel de SUFU ou PATCH ont à faire un méduloblastome, et ben on se rend compte que celui-ci n'est pas le même. Dans les publications de Gareth Evans sur le gène PATCH1, l'incidence cumulée du risque de méduloblastome était de 2% à peu près chez les patients porteurs d'un variant de PATCH1. Mais par contre, chez SUFU, il est plus élevé. Et on a pu recalculer les risques, et je vous montrerai la publication de 2021, où on a évalué que l'incidence cumulée de méduloblastome chez les patients porteurs d'un variant SUFU était à peu près de 13%, donc plus élevé que pour les PATCH1. Dans cette étude, on avait pu reprendre au niveau international à peu près 86 patients qui avaient eu un méduloblastome avec une mutation constitutionnelle de SUFU. Pour tous ces patients-là, c'était la première tumeur qui était arrivée chez ces patients. On avait confirmé qu'on était dans le groupe qu'on attendait, c'est-à-dire des méduloblastomes de type SHH, et on avait pu voir deux choses. La première chose, qui est l'histogramme en bas, c'est que la majorité des patients sont des patients jeunes, moins de 3 ans, mais pas exclusivement. On peut retrouver quelques méduloblastomes jusqu'à des enfants à l'âge de 5-6 ans, sachant qu'après l'âge de 6 ans, il n'y a plus de méduloblastomes qui ont été décrits, en particulier dans cette cohorte. Un âge médian au diagnostic qui est jeune, autour de 1,5 ans, avec quand même la majorité des patients, 94%, qui avaient moins de 3 ans au moment du diagnostic du méduloblastome. On a à droite un certain nombre d'histoires familiales où on avait pu voir qu'on pouvait retrouver des frères et sœurs atteints de méduloblastome dans certaines familles.
Sur le plan du traitement, c'est des enfants qui sont habituellement jeunes et les stratégies thérapeutiques chez ces patients-là sont basées essentiellement sur de la chimiothérapie conventionnelle avec des injections intraventriculaires, c'est-à-dire avec un petit cathéter dans la tête, un Omaya qui permet d'injecter de la chimiothérapie directement à l'intérieur du système nerveux central, en particulier en prévention de l'atteinte neuroméningée. On a pu mettre en évidence, ça c'est à droite, vous avez l'ensemble des courbes de survie et de global et de survie sans progression. SUFU, c'est les courbes en bleu clair et PATCH1, c'est les courbes en vert clair, que ces patients ont quand même un risque un peu plus important de récidive, en particulier loco-régionale, que les autres patients. Mais que globalement, on arrive à les rattraper et que la survie globale, quand on a une prédisposition de type PATCH1 et SUFU, est à peu près similaire à la survie globale qu'on attend pour les patients de cet âge-là qui sont traités pour un méduloblastome. Dans l'étude qu'on avait faite, pour laquelle on avait repris les patients avec un méduloblastome, on avait pu montrer que sur les patients dont on avait des données de survie disponibles, ce qui était quand même 74 patients avec des follow-up allant jusqu'à 6 ans, on avait à peu près 80% des patients qui étaient vivants, dont plus de la moitié avait plus de 10 ans, donc on avait un recul quand même très important. Parmi les patients qui étaient décédés, donc les 16 patients décédés, la majorité, 15 sur les 16, étaient décédés d'une progression tumorale de leur maladie, c'est-à-dire le méduloblastome qui avait malheureusement récidivé et finalement échappé. Et un seul avait présenté une seconde tumeur duquel il était décédé, qui était une leucémie aiguë myéloblastique. Ce qui est important, c'est que on peut voir que des prédispositions de type TP53 dans les méduloblastomes, ce qui est la courbe en bleu en bas, ces patients-là ont un pronostic catastrophique. Alors évidemment, il peut y avoir des inhibiteurs de la voie SHH qui peuvent être des questions thérapeutiques pour ces patients. C'est intéressant, il y a un travail qui a été publié par un de mes collègues, le docteur Abou, récemment. Qui a repris l'ensemble des patients avec des mutations constitutionnelles ou somatiques de PATCH1 et qui a pu mettre en évidence que tous les patients avec des mutations, soit constitutionnelles, soit somatiques de PATCH1, répondaient aux inhibiteurs de la voie SHH, mais qu'éventuellement la réponse pouvait ne pas être très prolongée et que ça pouvait être intéressant d'utiliser ces médicaments-là éventuellement en bridge avant de proposer d'autres types de traitements. L'autre chose qui est importante de savoir, c'est que alors qu'on a une efficacité des inhibiteurs de la voie SHH avec les mutations de PATCH, on n'a pas d'efficacité avec les mutations constitutionnelles de SUFU, tout simplement parce que on est en aval et que du coup, tout l'ensemble des études ont montré que comme on intervenait trop bas avec SUFU, on ne pouvait pas avoir d'efficacité. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de mettre ces patients-là sous inhibiteur de SHH. On a vu qu'un certain nombre de ces, que la majorité de ces patients guérissaient de leur méduloblastome. Et parmi les patients pour lesquels on a des données de suivi, on voit qu'il y a quand même un grand nombre de patients qui ont fait des secondes tumeurs. Alors, c'est des tumeurs pour la plupart qu'on attend, hein. Sept patients qui ont fait des carcinomes basocellulaires multiples dans la plupart du temps et souvent dans les champs de radiothérapie. Des méningiomes, même à un âge jeune, et je vous le montrerai un petit peu plus tard. Des tumeurs ovariennes, on en reparlera. Sept patients parmi les 17 qui ont fait des secondes tumeurs ont fait des tumeurs ovariennes. On a pu mettre en évidence aussi des carcinomes de la thyroïde. Alors après, la question, c'est que souvent, c'est des patients qui sont irradiés. Donc, quelle est la part du traitement et de la prédisposition et probablement l'impact des deux, très probablement. Des atteintes cutanées, un patient dont on a déjà parlé qui a fait une leucémie aiguë myéloblastique et un patient qui a fait un astrocytome pilocytique également dans les champs de radiothérapie. Donc, on se rend compte que c'est des patients pour lesquels il faut quand même se poser des questions par rapport à la stratégie thérapeutique. Est-ce qu'il faut leur faire une stratégie thérapeutique un petit peu plus intensive en raison du risque de récidive de la maladie? Quelle est la place de la radiothérapie? Probablement pas en première ligne, déjà parce que c'est des enfants tout petits et parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de secondes cancers, et en particulier dans les champs de radiothérapie, et quelle est la place des thérapies ciblées chez ces patients? Sûrement pas d'inhibiteur SHH pour les patients avec des mutations de SUFU, probablement une place qui est encore à bien définir chez les patients avec des méduloblastomes impliquant le PATCH1.
On a publié au niveau international avec le groupe européen de prédisposition au cancer pédiatrique de la SUAP Host Genome Working Group 70 patients qui avaient une mutation constitutionnelle de SUFU et l'objectif de cette publication, c'était de décrire le spectre tumoral qui était associé aux variants pathogènes de SUFU. C'était une étude rétrospective qui a concerné 8 pays et on avait à la fois des données cliniques sur le plan tumoral, statut vital des patients, qu'ils aient ou pas fait une tumeur avec un variant de SUFU. Il y avait à peu près 50%, 50 patients qui n'avaient jamais été encore publiés et on a pu publier des patients appartenant à 83 familles. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait 89 apparentés. Un peu plus de 80% des patients avaient déjà présenté au moins une tumeur. Et donc, on avait en tout 55 porteurs sains, dont l'âge médian au dernier follow-up était de manière significativement plus élevée que les cas index, mais c'est ce qu'on attend parce qu'en fait, la plupart des patients avaient été identifiés parce qu'il y avait eu un méduloblastome chez un enfant de la famille. Les autres cohortes qui étaient concernées et qui pouvaient être la porte d'entrée de cette étude, c'était évidemment les cohortes de syndrome de Gorlin. On a pu montrer que à peu près la moitié des tumeurs observées chez ces patients étaient des méduloblastomes, probablement liés au biais de recrutement des patients où la porte d'entrée était beaucoup les méduloblastomes. Mais on a pu aussi mettre en évidence que, comme on pouvait s'y attendre, on retrouvait des carcinomes basocellulaires et des méningiomes, mais qu'on retrouvait aussi un certain nombre de tumeurs de type génital. Quand on regarde l'âge de survenue, on se rend compte que, comme on en a parlé tout à l'heure, les méduloblastomes sont vraiment strictement limités aux premières années de vie et aux 5 premières années de vie, mais qu'on voit apparaître au moment de l'adolescence et de l'adulte jeune des tumeurs génitales, essentiellement des tumeurs ovariennes, et qu'on voit ensuite, plutôt à l'âge adulte, et ça je laisserai ma collègue en parler tout à l'heure, les carcinomes basocellulaires et les méningiomes. La particularité, c'est qu'ils peuvent arriver à un âge un peu plus précoce. On avait pu reprendre l'ensemble des variants présentés par ces familles et on avait mis en évidence 64 variants pathogènes constitutionnels différents et ils intéressaient l'ensemble du gène SUFU et on voyait qu'il y avait différents types de variations qui étaient décrits pour pouvoir expliquer la survenue du syndrome de Gorlin ou en tout cas le risque oncologique associé. Il n'y avait pas, on a essayé de faire une corrélation entre génotype et phénotype et on n'a pas pu mettre en évidence de risque plus élevé de méduloblastome en fonction du type de variant pathogène ou de l'effet protéique attendu ou de l'implication du domaine de liaison à l'ADN du gène SUFU par rapport à la survenue du méduloblastome. Donc, on n'a pas pu faire de corrélation génotype-phénotype dans cette cohorte. Quand on regarde les tumeurs qu'on a observées à un âge pédiatrique chez ces patients, alors on a pu observer des méningiomes, tous les méningiomes étaient intracrâniens. De manière générale, sur l'ensemble de la cohorte, l'âge médian au diagnostic du premier méningiome était 44 ans. Mais par contre, quand on se focalise sur les patients de moins de 20 ans, on avait 4 patients qui avaient un méningiome et c'est important de noter que tous ces patients avaient déjà été traités pour un méduloblastome et avaient reçu de la radiothérapie. Pareil pour le carcinome basocellulaire. Quand on prend tous les carcinomes basocellulaires, l'âge au diagnostic du premier carcinome basocellulaire, tous les patients présentant un carcinome basocellulaire avaient une médiane à 40 ans. Mais par contre, quand on prend les patients de moins de 20 ans, c'est que des patients pour lesquels cette tumeur arrive en seconde tumeur et après un méduloblastome et la plupart du temps irradié. Je voulais qu'on focalise un petit peu sur les tumeurs génitales parce que c'est une tumeur qui peut également concerner les enfants. Et on avait un âge médian au diagnostic. On avait 11 patients pour lesquels on a décrit une tumeur génitale. L'âge médian était de 14 ans, pouvant aller de 5 à 34 ans. Les tumeurs qu'on a observées sont des fibromes ovariens pour 5 patients, des tumeurs stromales ovariennes bilatérales. On a eu 2 patients avec un fibrosarcome, un fibrosarcome ovarien, un fibrosarcome testiculaire. Un patient avec un tératome ovarien immature et un patient ayant présenté un leiomyosarcome bilatéral. J'ai juste rapporté ici pour vous dire les autres tumeurs qu'on avait observées, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. La seule qui n'avait pas été rapportée, c'est un patient qui a fait un lymphangiome thoracique macrokystique néonatal. Pour te donner un point de repère, Léa, on est à 15 minutes. Eh bien, il me reste 3 diapos. C'est super.
On a essayé d'estimer, pour éviter les biais, les risques tumoraux chez les apparentés. Donc, on a utilisé un estimateur de Nelson et Allen. Juste pour vous dire que du coup, on s'est focalisé sur les 89 apparentés de la cohorte. Et parmi ces 89, 36 avaient développé 55 tumeurs. Ce qui était la seule chose qui est intéressante, c'est de savoir que la pénétrance tumorale, elle est élevée mais incomplète, que les méduloblastomes, c'est plutôt les petits, et que le reste, ça reste plutôt les grands, mais qu'on retrouve les mêmes types tumoraux, même si il semble avoir une incidence plus élevée des méduloblastomes, des méningiomes et des tumeurs ovariennes, et beaucoup plus faible des carcinomes basocellulaires par rapport au patch. Il n'y a pas de kyste endotogénique chez les patients avec des mutations constitutionnelles de SUFU. Ça a justifié du coup de proposer des recommandations de surveillance qui n'étaient pas basées finalement sur le phénotype, mais qui étaient basées sur le phénotype. Et celles-ci ont été publiées en 2021 avec des propositions de surveiller un petit peu différemment les variants avec les patients avec des mutations de PATCH1 et de SUFU. Et du coup, j'arrive à ma conclusion presque dans les temps. Pour vous dire que sur la partie oncologique, parce qu'avec ma vision d'oncologue, forcément, ça biaise un peu, je pense que ça reste quand même fondamental de proposer un dépistage génétique chez l'ensemble des patients qui ont des méduloblastomes. Les dépistages génétiques incluent PATCH et SUFU, et surtout pour les patients qui ont des méduloblastomes SHH et les enfants les plus jeunes. C'est important à la fois pour adapter leur traitement, à la fois pour adapter leur suivi et évidemment pour le conseil familial. Comme on a vu, les spectres sont probablement différents pour les gènes SUFU et PATCH, et les recommandations de surveillance se sont basées sur ces différences pour proposer des recommandations basées sur le génotype. Ensuite, quand on reste plus sur méduloblastome et variants pathogènes de SUFU, c'est probablement important de faire un suivi prolongé et attentif parce que ces patients ont des secondes tumeurs et qu'il faut encore réfléchir. Ce n'est pas encore validé au niveau international. Quelles seront les meilleures stratégies thérapeutiques pour ces patients? Enfin, bien être conscient qu'on est sur des syndromes de prédisposition qui sont très rares, et en particulier le cancer de prédisposition pédiatrique très rare, et qu'il y a un observatoire national des prédispositions au cancer pédiatrique qui est ouvert et qui inclut spécifiquement ce type de patients. Et donc, il faut enregistrer les patients, si c'est possible, dans l'observatoire PrEP4 qui est ouvert au niveau national. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'ai terminé. Eh ben, merci à toi. Alors, il y a peut-être des petites questions de côté. Antoine, si tu n'hésites pas, toi non plus. Oui, il y avait une question de savoir si les diaporamas seraient transmis, ça, donc on va en parler peut-être après avec les orateurs. Oui, le webinaire est enregistré, hein, Et donc ça, il sera possible de le réécouter en différé. ça. Et après, donc il y a Afan à Lille qui pose la question. Bonjour, pensez-vous qu'il faille demander en urgence l'analyse constitutionnelle au tout début des traitements? Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas de modification stratégie thérapeutique qui soit validée. Je pense que pour PATCH, non. Pour SUFU, ça peut se discuter, en particulier parce que si on a vraiment un doute important, mais ça, on peut avoir déjà quand même des notions en histopathologie. Si on a vraiment un doute très important, on peut ne pas avoir envie de faire d'intraventriculaire à ces patients, parce que derrière, s'ils ont un risque plus important de récidive, et donc on va avoir envie de les irradier. Et si on fait des intraventriculaires, le risque neurocognitif à long terme est significativement moins bon. Il peut y avoir effectivement, quand on a un fort doute sur SUFU, des indications à aller assez vite pour pouvoir adapter, mais on peut avoir le résultat dans le mois, ça suffit. Mais en tout cas, il faut y penser, je pense. De toute façon, en pédiatrie, vous avez, je pense, des panels plus que larges que vous proposez pratiquement au diagnostic. Alors, pour les méduloblastomes, on est plutôt sur une dizaine de gènes sur le panel, oui. D'accord. Pas d'autres questions. Pas Pas d'autres questions. d'autres questions. Et tu as parlé d'incidence cumulée à 2% pour PATCH1 et 13% pour SUFU, pour le méduloblastome. C'est quoi les chiffres en population générale si... Du méduloblastome ou Oui, du méduloblastome, pardon. Le méduloblastome, on a à peu près une 5 ou un entre une 80 cas par an en France.
Ouais, donc de... c'est un peu plus de On a, 0%, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. là, en fait, on a quand même assez peu de patients avec des mutations, enfin, patch dans nos cohortes. On doit avoir, peut-être, Nicolas sera mieux placé que moi, mais 5 ou 10 patients qui ont un méduloblastome et une mutation constitutionnelle de patch. On en a très peu. SUFU, au niveau national, on en a une cinquantaine. Oui, j'ai essayé de voir en sporadique ce que ça donnait, hein, puisque voilà. Ok, merci beaucoup. Ben, je crois plus de questions, hein. Voilà, on passe à côté de personnes. Et ben, on va continuer côté clinique cette fois-ci avec le docteur Fanny Maurice-Picard, donc qui est généticienne au CHU de Bordeaux et à qui je donne la parole. Merci d'avance. Alors Fanny, il faut que Je vais tu mettes ton partager micro. mon Voilà, c'est écran avec celui-ci, un et deux, je pense. Alors, je vais mettre en plein écran. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Pas encore. Voilà. Léa, tu l'avais bien départagé le tien. Hein. Oui, normalement, c'est bon. Je pense que c'est juste que comme j'ai deux écrans. Ça doit pas être sur le bon. Ouais. Je pense qu'il faut que vous cliquiez dans après partager écran, faut que vous mettiez sélectionner écran. Et je pense que ça sera l'écran, ça sera votre bureau en fait qui sera sélectionné. Voilà, là on va, ça arrive. C'est bon, ça fonctionne. Donc, eh ben voilà, c'est parfait. On y est. Là, vous ne voyez pas le diaporama, par contre, vous Non, voyez pas la... encore. Mais mettez-le, si vous le mettez en diaporama. Là, il y est, mais ce n'est pas sur mon bon écran. Alors, sinon, je vais... Pardon, je suis désolée. Ce que je vais faire... Mais juste avant, on l'avait bien, hein. Ouais. Voilà. Et là, si vous mettez en haut paramètres d'affichage, cliquez sur en haut paramètres d'affichage et voilà, basculez. Voilà, super. Voilà, pardon, excusez-moi, c'est toujours Ouais, mais heureusement, Antoine est là, éveille. peu. Donc, oui, là, enfin, je voulais vous remercier de m'avoir proposé de présenter ici quelques aspects cliniques du syndrome de Gorlin, donc avec une autre vision. Donc, c'est ça qui est intéressant avec ce genre de pathologie, c'est que selon, voilà, la spécialité et l'orientation, on va avoir une façon de prendre en charge qui peut être assez différente. Donc, avec une expérience clinique de généticienne et un peu spécialisée dans les affections de la peau. Donc, nous, l'exemple, en fait, typique des patients qui peuvent être adressés, c'est par exemple, ben, un jeune patient avec découverte par son dermatologue en ville qui a fait l'exérèse de lésions de carcinome basocellulaire. Donc, ce qui pose toujours question parce que, bah, c'est pas très fréquent. Et donc, chez ce patient, bah, on va découvrir à l'examen clinique, effectivement, donc un antécédent de carcinome basocellulaire. Je reviendrai après dessus. Et puis, des lésions un peu particulières qui sont ces petites lésions comme des petits kystes couleur chair qui ressemblent pas à grand-chose. Et puis, quand on interroge le patient, donc il y a aussi une prise en charge chez le dentiste parce qu'il a des kystes. Voilà. Et donc, ça peut être un mode d'entrée dans le diagnostic de syndrome de Gorlin avec un carcinome basocellulaire qui va apparaître précocement et un antécédent de kyste. C'est assez fréquemment un mode diagnostic. Et donc, chez ce patient, on avait pu confirmer le diagnostic de Gorlin par la mise en évidence d'un variant hétérozygote de novo du gène patch, donc pathogène, et proposer un suivi adapté. Donc, ce qui est particulier donc dans ce syndrome de Gorlin, c'est que on a donc l'idée de pathologie rare avec la difficulté éventuelle du diagnostic. Donc, il y a la période un peu méduloblastome et cette période un peu précoce qui peut être un mode d'entrée, mais il y a ensuite après donc une évolution variable et on sait que finalement le retard diagnostique dans ce type de pathologie peut être préjudiciable puisqu'il y a enfin, on va dire le traitement repose en majorité sur la prévention.
D'où l'intérêt d'une approche un peu globale au cours des consultes de dermatologie. La symptomatologie dermato, elle est assez riche en fait pour le clinicien. Donc il y a bien sûr donc le carcinome basocellulaire dont on a parlé. Donc alors les carcinomes basocellulaires, c'est des tumeurs qui sont quand même très fréquentes dans la population générale, hein, peut-être à la différence de même des méduloblastomes ou d'autres types de tumeurs. Donc c'est une tumeur très fréquente, c'est une tumeur épidermique qui va survenir sur les zones exposées, qui est liée finalement à l'exposition solaire chronique, qui va être plus fréquente chez des patients de phototype clair. Ça peut apparaître dès 45-50 ans. Donc c'est des choses qui sont voilà, assez fréquentes. Alors qu'est-ce qui est particulier, qu'est-ce qui va alerter et orienter vers un syndrome de Gorlin? Ben, c'est bien sûr, comme souvent dans les syndromes avec prédisposition génétique, c'est une survenue particulièrement précoce d'un type de tumeur auquel on ne s'attendait pas à cet âge-là, le caractère particulièrement multiple aussi et récidivant, et puis ce dont on a parlé précédemment, la radiosensibilité, et notamment les complications qu'on voit chez les patients qui ont une radiothérapie pour un méduloblastome. Donc cliniquement, on fait assez facilement le diagnostic de basocellulaire, mais avec différents types de tumeurs, des formes qui sont plus superficielles, des formes nodulaires, des formes scléreuses. Il faut savoir que dans les carcinomes basocellulaires, c'est surtout des tumeurs qui ont un risque local, un envahissement loco-régional et un risque lié à leur caractère récidivant. Ce sont peu de tumeurs métastatiques, mais il y a un grand fardeau parce que donc la survenue de carcinome basocellulaire à répétition va conduire à des chirurgies itératives et donc l'intérêt de pouvoir proposer éventuellement des thérapeutiques complémentaires est intéressante. Donc, au cours de syndrome de Gorlin, vous allez identifier de façon plus ou moins visible des petites lésions un peu kératosiques infiltrées sur le dos du patient. Et puis, à chaque examen, on va retrouver de nouvelles lésions. Alors, on avait des vieilles diapositives que m'avait confié le professeur Lacombe, avec qui on a préparé le travail, donc qui montrait dès très tôt, on a vu qu'il y avait vraiment un caractère particulièrement précoce au développement de ces tumeurs cutanées. Ça, c'est un patient qu'on avait vu dans le service et qui avait un antécédent de méduloblastome et comme vous voyez, donc des multiples lésions de carcinome basocellulaire qui sont apparues sur cette zone d'irradiation. Et puis, donc, à côté, comme je vous disais, on peut voir aussi des petites choses comme ces petits amartomes. Alors, on va retrouver ça assez fréquemment chez des patients même assez jeunes à l'adolescence, hein, ces petites lésions qui sont des petites lésions amartomateuses qui sont peu à risque. Il peut y avoir des transformations, mais c'est quand même ce sont des lésions bénignes amartomateuses qui présentent pas de risque, qui sont particulièrement fréquentes au cours de la neuropie, du syndrome de Gorlin, pardon. On avait eu aussi une histoire clinique comme ça d'une famille dont finalement la maman, on a fait le diagnostic a posteriori de Gorlin chez la maman. Et l'enfant présentait des kystes épidermiques, donc des lésions sous-cutanées kystiques, l'histologie, c'est des lésions tout à fait bénignes, mais qui récidivaient, qui étaient multiples, et donc tout à fait inhabituelles chez les enfants de cet âge-là, avec parfois des inflammations, des douleurs qui avaient conduit à l'exérèse de certaines lésions. Évolution bénigne, pas d'inquiétude par rapport à ces lésions, si ce n'est le caractère un peu récidivant. Et souvent, ça s'estompe avec le temps. Et on a eu même plusieurs patients avec cette présentation et cette révélation finalement en diagnostic sur ce type de lésion. Voilà. D'autres choses qu'on peut observer sur le plan dermatologique. Alors, on est dans une anomalie du développement, donc patch, voie sonique et Job, donc c'est la voie d'oncogénèse, mais c'est aussi une voie importante pour le développement. Pour du développement embryonnaire et notamment la ligne médiane. Et on a quelques cas un peu atypiques, on va dire, parce que ce n'est pas des choses très fréquentes, là, de défaut de fermeture au niveau de la ligne médiane avec cette petite zone d'aplasie cutanée médiane. Et des choses qui sont moins fréquemment répertoriées, comme ces patchs pileux, là, ces amartomes, en fait, probablement musculaires lisses. Enfin, voilà, donc des manifestations cliniques qui méritent d'être reconnues parce que dans certaines situations, ça peut orienter le diagnostic. Parmi les manifestations cutanées aussi, donc qui sont un peu particulières, donc ce sont toutes les lésions du visage
et notamment donc un aspect un peu plus spécifique qu'on observe chez les patients avec des mutations hétérozygotes de SUFU qui ont des phénotypes Corlin-like et avec des carcinomes basocellulaires qui, comme on a dit, vont apparaître mais plus tardivement et avec un type histologique particulier, donc ce qui pourra orienter aussi vers une mutation de SUFU. Ça, c'est une patiente qu'on a suivie, qu'on suit dans le service. Donc, c'est qui a eu, je pense, un antécédent de méduloblastome et qui présente très peu de carcinome basocellulaire, mais ces lésions d'amartomatose, donc trichoblastome, qui sont des tumeurs annexielles bénignes, mais qui sont multiples et récidivantes chez elle et qui sont un signe un peu particulier. On va dire, c'est des signes cliniques distinctifs qui permettent de différencier un patient avec un variant de SUFU, un patient avec une mutation de Patch. Et puis, donc, en dehors de cette atteinte cutanée très riche, et puis de l'atteinte cutanée qui nécessite la surveillance donc, du carcinome basocellulaire, on a donc ces kystes odontogéniques qui sont pour nous, donc c'est plutôt donc l'adulte, l'adolescent, l'adulte jeune. Donc après, c'est des choses qui sont moins importantes. Et donc, comme on a dit également précédemment, donc c'est pas des choses qu'on va observer au cours chez les patients porteurs de variants de SUFU. En tout cas, ça n'a pas été décrit pour l'instant. Donc, c'est plus spécifique des patients avec patch. C'est quand même une complication très fréquente. Alors, dans le côté, on va dire diagnostic purement clinique, on va s'aider de critères sur le plan génétique, dermatogénétique, pour argumenter un diagnostic, même si bien sûr on a le diagnostic moléculaire disponible, mais c'est toujours intéressant d'étayer un diagnostic clinique. Et donc il y a quelques atteintes squelettiques qu'il ne faut pas méconnaître et qui sont quand même d'une part très fréquentes et assez spécifiques, c'est-à-dire que on va observer des calcifications donc, au niveau de la faux du cerveau et également au niveau sustentoriel. Ces calcifications, elles sont très très spécifiques et c'est un très bon signe quand même de Gorlin, parce qu'elles sont présentes dans plus de 90% des cas. Voilà. Et le côté malformatif osseux, hein, probablement lié à l'anomalie de la voie sonique et Jo, qui est assez fréquente aussi. On a quelques patients avec des anomalies vertébrales, des côtes bifides également, des déformations du pectus. Donc ça peut faire partie des choses qui doivent être prises en compte au cours de l'examen d'un patient. Et puis le côté voilà, morphologique qu'on aime beaucoup en génétique clinique. Qui va nous aider aussi à proposer un diagnostic avec ces particularités morphologiques observées chez les patients, avec à la fois donc l'hypertélorisme, ces bosses frontales, un aspect de prognathisme aussi, l'élargissement de la racine du nez, et puis le côté malformatif ophtalmologique. Donc le syndrome de Gorlin, hormis donc la complication tumorale, peut poser des problèmes diagnostiques. Donc quand y penser, donc selon les âges, on voit que finalement en avançant, c'est plutôt le dermatologue qui sera en première ligne chez un patient avec des carcinomes basocellulaires multiples. Et on a des consultations d'adultes avec donc des diagnostics qui se font à l'âge adulte chez un patient avec des carcinomes basocellulaires. Et pour lequel, on va retrouver quand même une histoire de kyste ou des signes morphologiques ou parfois moins. Mais en tout cas, je pense que l'examen clinique est toujours assez intéressant pour aller à la recherche de ces petits signes cliniques, signes cutanés dont on a parlé tout à l'heure. Donc, je reviens pas là-dessus. Donc le syndrome de Gorlin est une affection avec une possibilité de faire un diagnostic sur des critères. Notamment donc les carcinomes basocellulaires qui vont être particulièrement fréquents, récidivants et surtout survenir à un âge jeune, les kystes des mandibules, les pits, les amartomes palmoplantaires et puis les calcifications de la faux du cerveau. Donc des critères cliniques qui permettent déjà d'avancer. Il y avait eu des vieilles, enfin une ancienne publication qui était intéressante parce qu'elle montrait les signes cliniques qui allaient être observés le plus souvent, et donc chez plus de 50% des patients. Et on voit quand même déjà sur la macrocéphalie, les pits palmoplantaires, en plus des kystes, on avait déjà la possibilité d'avancer sur un diagnostic déjà uniquement clinique. Donc voilà, avec les, ça je reviens pas pareil, parce que je pense que ça va être largement détaillé ensuite par Nicolas. Au niveau du suivi, donc quand on arrive à un âge adulte, donc une fois qu'on a passé, on a passé donc cette période à risque de méduloblastome
Il y a donc on sait qu'il y a donc ce risque augmenté de tumeurs gynécologiques en plus de l'examen dermatologique annuel. Donc il est important pour le dermatologue, je pense, qui va suivre le patient, de penser à ce syndrome pour le suivi global, notamment surveillance gynécologique, et puis le caractère aussi génétique de l'affection avec le risque et l'information à la famille pour le dépistage éventuel des apparentés. Nous, par rapport à ce qui est proposé, donc il y a des examens qui vont être, enfin, on va penser enfin, en clinique sur bien sûr un gorlin devant des carcinomes basocellulaires précoces, des kystes des mandibules et puis méduloblastome. On va avancer sur le diagnostic par la réalisation d'examens à la recherche des autres critères diagnostiques en parallèle de l'analyse génétique. Et voilà, donc le panoramique et les radios de crâne, là, puis bien sûr donc l'analyse moléculaire ciblée avec laquelle, enfin, qui nous aide bien sûr pour le dépistage familial. Donc en synthèse, donc penser au syndrome de Gorlin effectivement sur des carcinomes basocellulaires à répétition, en sachant que c'est une tumeur fréquente et qu'on a quand même des patients qui ont beaucoup de carcinomes basocellulaires sans avoir de Gorlin. Et donc il y a pas mal d'études là-dessus, mais c'est compliqué. L'importance de l'examen clinique à la recherche de petits signes qui orientent, parce que ça aide aussi après dans l'interprétation et les échanges clinico-biologiques avec les généticiens. Et tout cet intérêt-là, enfin l'intérêt du diagnostic étant à la fois pour proposer la surveillance adaptée au patient, éventuellement à ses apparentés, la prise en charge et le développement des traitements portant sur la voie Sonic et Cho. Je vous remercie de votre attention. Hop. Surtout, merci à toi, c'était extrêmement clair. Alors, les questions, Antoine, tu as... Non, il n'y a pas de question. Attends, s'il y en a une qui vient Si, d'arriver. si, il y Si, en à a. l'instant. Pardon. Alors, Connaît-on la vas-y. pré... Oui, pardon. Connaît-on la prévalence des calcifications de la faux du cerveau en population générale? C'est Caroline à Nantes. Ah oui, a priori, il n'y a pas de calcification, mais c'est vrai que je suis pas sûre qu'il y ait eu d'études là-dessus. Mais je pense que c'est quand même. En fait, quand on les recherche, on les trouve pas. Je sais pas s'il y a des gens, si Nicolas ou si vous avez des réponses là-dessus. Nous, quand Je on pense voit. que non, c'est quand même pas quelque chose de. Enfin, on a fait quand même beaucoup de scanners. Il y a quand même des imageries qui sont faites régulièrement. Je pense pas que ce soit quelque chose qu'on retrouve fréquemment, mais après. Quand on voit à long terme les patients avec des méduloblastomes qui ont des scanners cérébraux, on n'a pas de calcification de la faux. Et c'est vrai que quand on en a, et on en a de manière systématique pour les gorlins, c'est vraiment un signe très très évocateur. Donc je pense que même si je Là, peux c'est pas donner spécifique. un pourcentage, globalement, s'il y en a, faut chercher, quoi. Enfin, il faut se poser la question. Oui, vous n'en avez pas trouvé dans d'autres syndromes, des calcifications, etc. Et effectivement, le fait qu'en déjà des scanners, il peut en avoir, ou des radios pour de multiples raisons, c'est pas un critère banal, en Non, fait. et ça paraît pas post-thérapeutique non plus. Non. OK. Et puis Voilà. merci pour l'iconographie dermatologique parce que pour nous c'est toujours Oui, intéressant c'est d'avoir elles sont, en plus elles sont bien sorties je pense hein. Les photos étaient très très visibles sur le diaporama. Merci, merci à vous. Alors je vois l'heure y a une autre, tourner. ouais, parce qu'il y a une autre question Ah, eh sinon de ben on Pierre y va, on Cacan. y va. Faut-il réaliser un bilan orthopédique, radiothorax, etc., une fois que le diagnostic est posé au vu de la radiosensibilité? Fanny, votre micro, il est coupé. Vous aviez. Pardon, Oui. excusez-moi. Alors ça, c'est, je pense qu'il faut rester assez clinique et effectivement, enfin, je faire des oncopédiatres, mais nous, on fait pas forcément de radio de façon, enfin, je pense que c'est, il faut surveiller, suivre l'examen clinique s'il y a des déformations ou si on recherche des critères. Mais moi, j'aurais pas tendance à proposer un bilan radio, vraiment. Bon, alors une radio. Mais en tout cas, la répétition des radiographies est quand même à éviter chez ces patients. Donc, c'est souvent assez clinique. Moi, j'ai pas l'impression que je fasse forcément le bilan radio à tous les patients. Et si j'ai une déformation, peut-être une Après, structure. je pense Mais que le message qu'on peut passer, c'est utiliser aussi les radios qui sont faites pour autre chose. Ils peuvent parce avoir une radio de que. thorax pour la pose du PAC ou pour autre chose. Et voilà, ne pas faire spécifiquement, je pense, et être curieux si les examens sont disponibles. Oui, voilà. Merci.
de l'expérience clinique là sous-jacente. Merci à vous. Allez, le dernier quart d'heure et plus si affinité est à Nicolas. Donc Nicolas Sévenet, qui est responsable donc du laboratoire de biologie moléculaire à l'Institut Bergonié, qui a plein d'autres casquettes, mais elles seraient tellement longues à énumérer. Voilà, je vais juste dire quand même présidence du CNP de génétique, mais j'en oublie évidemment énormément. À toi, Nicolas. Eh bien, merci beaucoup, Catherine. Je vérifie que c'est bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Merci au bureau du GGC d'avoir sélectionné cette thématique et de m'avoir proposé d'intervenir. Donc, je vais clôturer sur les données moléculaires. Comme je l'ai dit, c'est un topo assez artisanal où on a essayé de regrouper quelques données du laboratoire qui ne sont pas complètement finalisées. En introduction, le gène patch, il a été caractérisé en 1980 sur la recherche sur un criblage de gènes létaux dans le développement de la larve de drosophile, telle que vous le voyez ici. La larve de drosophile, elle est composée de 3 segments thoraciques et de 8 segments abdominaux. Et lorsqu'on faisait ce criblage létal du gène patch, il y a eu d'autres gènes qui ont été caractérisés hein, dans ce criblage-là, notamment, vous le voyez, hedgehog ou gooseberry. Lorsqu'on fait ce criblage-là, eh bien, vous le voyez, les segments en fait vont se raccourcir et il va y avoir une augmentation des frontières des différents segments abdominaux. Donc, patch, c'est ce qui a été dans la publication de 1980, est impliqué dans l'organisation spatiale et la polarité des segments de la larve de drosophile. Son implication en physiopathologie humaine, elle remonte à 1996 avec toute une rafale de papiers qui vont être publiés, au premier rang desquels celui-ci de l'équipe de Ronald Johnson et Matthew Scott, où ils vont caractériser. Alors, normalement, ça. Pourquoi, voilà, pardon. Où ils vont caractériser dans 2 familles, en fait, des duplications ou des délétions, en l'occurrence ici, une duplication et ici une délétion. Alors, ici, c'est le petit B, je ne sais pas si on voit la flèche. Et une délétion sur la partie droite de la figure. Donc, chez 2 apparentés, un affecté, un non affecté dans cette famille, donc avec un séquençage au soufre 35. Et puis ici, vous le voyez, une néomutation. Donc, c'était un enfant atteint et ses parents qui étaient non atteints. Cette même année-là, il va y avoir 4 publications qui vont paraître, en fait, qui vont relier en fait le gène patch à la tumeur la plus fréquente, une des tumeurs humaines les plus fréquentes, qui sont les carcinomes basocellulaires, avec une composante liée aux mutations du gène patch telles qu'elles sont publiées là. Et donc, pour un certain nombre, les carcinomes basocellulaires deviennent, enfin, ou sont décrits comme des pathologies héréditaires dominantes autosomiques. Et les patients sont suspectés, en tout cas, d'être atteints de manière hétérozygote pour une mutation causale. Voilà, toutes ces caractérisations ont été essentiellement faites par clonage positionnel. Alors, lorsqu'on regarde le gène patch, vous avez sa référence ici. Il est situé sur le bras long du chromosome 9, sur un locus qui fait environ 74 000 paires de bases. Sa particularité, c'est qu'il est dans le mauvais sens, ou dans le sens inverse, dans le sens négatif. Il comporte 24 exons, un transcrit de 9 KB environ, 23 exons codants. Et alors, sa très grande particularité, c'est qu'il a un 24e exon qui fait quasiment 3 kilobases, qui est le 24 que vous voyez là, et qui va être embarqué dans la transcription, qui sera transcrit. Pourquoi? Eh bien, parce que tel que vous le voyez, le TGA, c'est-à-dire le codon stop du gène, se situe un nucléotide avant la fin du 23e exon. Et donc, il n'y a pas possibilité pour la machinerie de splice de réaliser le clivage et l'ajout du site de polyadénylation et donc des polyadénides dans le transcrit. Donc, le dernier exon est embarqué dans le transcrit. Alors, ça fait 3000 nucléotides, hein, ce qui est excessivement conséquent puisqu'il représente les 3/4 de la taille du transcrit. Il y a des variants à l'intérieur de cet exon, qui sont des variants récurrents, donc sous forme de polymorphisme, vu la fréquence qu'on a, nous n'avons pas encore trouvé de variants causaux qui pourraient être liés à une anomalie de la régulation de l'expression du gène. Voilà. Il y a des transcrits alternatifs physiologiques qui ont été détectés par RT-PCR, tels que vous les voyez ici.
hein, qui résulte soit dans l'inclusion partielle de pseudo-exons au niveau de l'intron, des rétentions partielles, des sauts d'exons, et qui vont montrer toute la diversité des transcrits de patch qu'on peut observer et voilà, nous ne les avons pas quantifiés en RNA-seq parce qu'on ne fait pas encore cette magnifique technologie ici. Alors en structure tridimensionnelle, ainsi que décrite, hein, c'est une protéine qui est transmembranaire à 12 domaines transmembranaires. Vous aviez la structure supposée sur la partie gauche lors de la publication de 1996, et vous avez une structure nettement plus récente qui se trouve sur le site GeneCards. Qui en plus bouge sur lorsque vous êtes sur le site, qui a été sorti en 2021, issu de la cristallographie de la protéine, et où vous allez retrouver les domaines transmembranaires qui vont être les hélices qu'on va retrouver en bleu, assez serrées au centre de la protéine. Donc, comme on l'a déjà dit, hein, Patch est cette protéine transmembranaire qui régule négativement SMO, autre protéine transmembranaire. Et lorsque Patch se lie avec un des ligands Sonic Hedgehog, Indian ou Desert Hedgehog, il y a rupture de cette répression sur SMO, activation de l'oncogène GLI qui va être transloqué dans ce cas-là dans le noyau. Et dans sa translocation, en fait, il va activer des gènes de la transcription impliqués dans la prolifération, la morphogenèse, etc. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une notion de gradient de production de cellules de cellules productrices de SHH, et donc vous allez avoir dans l'environnement de ces cellules productrices des cellules qui vont être très fortement exposées à SHH et d'autres qui le seront beaucoup moins, et donc avec des niveaux de réponse transcriptionnelle, des cibles de GLI qui vont être variables en fonction de du bain et de la concentration de protéines SHH. Alors quelques mots du diagnostic moléculaire. J'allais dire, avant de parler du diagnostic moléculaire, souvent lorsque vous nous demandez le diagnostic, il est extrêmement important pour nous au niveau biologique d'avoir une exhaustivité des signes cliniques que vous pourriez remonter. Et pour cela, nous avons mis en place un questionnaire de signes cliniques, que ce soit concernant l'histoire familiale, les anomalies cutanées, stomatologiques, les anomalies neurologiques, les anomalies du squelette, la dysmorphie faciale, et puis toutes les autres anomalies que vous pourriez remonter. Alors, ça vient en complément d'une demande de diagnostic, par exemple, hein, au niveau du laboratoire, et notamment sur le Gorlin, où nous allons réaliser le diagnostic moléculaire systématique de Patch 1, SUFU, et puis d'un petit dernier que je présenterai extrêmement brièvement à la fin, qui s'appelle ELP1. Et puis, nous avons aussi dans le panel GPR161 de la voie pour lequel nous avons un seul variant qui est remonté à l'heure actuelle. Voilà. Mais l'importance pour nous en interprétation biologique, c'est d'avoir les signes cliniques parce que nous allons fortement nous baser sur la clinique pour l'interprétation. Alors, j'ai pas eu le temps de faire une jolie figure comme Julien Maslia sur la répartition des variants. Mais la totalité de la séquence codante est concernée par les variants. Il n'y a aucun exon qui est épargné. Et donc, vous le voyez, nous réalisons le diagnostic moléculaire de Patch depuis 2001 exactement. Et vous le voyez, il y a 380 variants qui ont été caractérisés, qui vont se répartir pour tous les variants de classe 3. Ce sont des faux sens. On en a presque une centaine. Nous avons deux variants de classe 4 sous forme de mutation faux sens. Nous les avons classés en classe 4 parce que la symptomatologie clinique est tellement proche entre ces 11 patients porteurs de ces deux variants, l'un ou l'autre, qu'il nous a paru judicieux de les classer en classe 4. Mais nous n'avons pas de test fonctionnel derrière pour démontrer l'altération de la protéine. Et puis les variantes de classe 5, vous les voyez ici, 70 mutations non-sens, 42 mutations d'épissage, 20 grands réarrangements que je vais présenter, et puis 124 mutations frameshift, ce qui nous fait dire que les mutations frameshift sont presque les mutations les plus fréquentes, les mutations tronquantes les plus fréquentes. Alors, quelques histoires particulières sur les réarrangements de grande taille, quelques données d'épissage, et puis des données de mosaïque, parce qu'on a fréquemment des mosaïques. Alors, tout ceci, ce sont des données non publiées, donc pour toutes et tous, merci de garder cela pour vous.
Alors, vous le voyez ici, par exemple, sur les altérations de patch. Donc, nous travaillons soit en micro-arrêt, soit avec la technologie WANSeq, qui permet de remonter les altérations des CNV par NGS. Et donc, vous le voyez ici, on a une densification des sondes qui ont été réalisées sur le locus patch 1. Et on a, par exemple, sur la totalité du locus patch 1, ici, une délétion complète du gène. Voilà. Avec une insertion de 17 nucléotides. Et à chaque fois, il a pu être démontré au niveau du laboratoire les points de cassure avec l'insertion. Souvent, au point de cassure, vous avez une insertion qui va varier de 3 à une vingtaine de nucléotides. Et vous avez ici l'insertion qui est décrite sur ces très jolies expériences de séquençage des points de cassure des délétions. Ici, la délétion de l'exon 20, telle que vous l'avez. Et là encore, on peut faire un séquençage à la recherche des points de cassure situés respectivement dans l'intron 19 et dans l'intron 20 avec une insertion de 10 nucléotides au niveau du point de cassure. Un dernier RGT qui vous est présenté ici avec une délétion des exons 4 à 24 de patch, donc c'est-à-dire de quasiment la totalité du gène, avec là encore la confirmation de la délétion et l'insertion, l'homologie d'insertion de 2 nucléotides au niveau du point de cassure. Alors, la particularité, c'est qu'on a pu caractériser aussi des réarrangements complexes. Et là, on a été assez perturbé dans ces réarrangements complexes. Mais on peut remonter dans les bases de données, notamment DGV, qu'il y a des variants, des CNV, c'est-à-dire des variants structuraux polymorphes au niveau de patch 1, qui vont couvrir la presque totalité du gène. Et c'est ainsi qu'on a eu chez deux enfants qui avaient des signes cliniques majeurs de Gorlin. Nous avons eu ce variant-là avec une duplication des exons 3 à 11 inclus et une délétion des exons 15 à 21. Et lorsqu'on regarde plus précisément ce qui s'est passé réellement, on pense qu'on peut mettre en relation la duplication avec un événement de CNV qui sont les barres bleues que vous voyez au-dessus de la duplication. Alors, ça pour un enfant. Et pour un deuxième enfant, c'était celui-ci également, avec une délétion des exons, une duplication pardon, des exons 15 à 18 et une délétion des exons 21 à 23. Donc vous le voyez ici. Alors à chaque fois sur la partie gauche de la figure, puisque je vous le rappelle, patch 1 est en antisens. Voilà. Alors en parallèle, les variants d'épissage, vous le voyez au niveau du laboratoire, nous avons travaillé sur 15 variants d'épissage qui sont répartis sur l'ensemble également de la séquence codante, telle que vous avez ici, dont un certain nombre qui sont en rouge ici, qui sont ceux qui sont avec une étoile, pardon, qui sont des variants en mosaïque. Et tel que vous le voyez ici dans ce récapitulatif de ces variants, en fait, nous avons pu documenter systématiquement, en fait, soit la rétention de nucléotides de l'intron 3, soit des sauts d'exon. Et vous avez ici, sur la partie droite, les signes cliniques qui sont observés chez les patients, donc soit à type de méduloblastome chez les enfants, tel qu'on l'a dit, soit calcification de la faux du cerveau, carcinome basocellulaire. Alors, vous voyez parfois plus rarement, mais c'était une mosaïque à 3%. Voilà, et puis donc saut de l'exon 10, saut de l'exon 12 et délétion des 5 premiers nucléotides de l'exon 12 sur l'autre transcrit, saut de l'exon 14 ou des exons 13 à 14, 15, 16, etc., etc. Alors bien souvent on ne peut pas remonter les informations cliniques parce que nous ne les avons pas, et donc ça c'est très impactant pour la qualité de l'interprétation. Alors, en termes de mosaïcisme somatique, un second tableau ici où on a essayé de recenser l'ensemble des mosaïques. Donc, sur les 380 variants que nous avons caractérisés, il y a 14 variants en mosaïque. Et vous le voyez ici, là, vous avez sur cette colonne-là, l'avant-dernière, les informations cliniques. Et vous le voyez, on a assez peu d'informations cliniques, ce qui nous permet, et puis assez peu surtout d'autres prélèvements pour démontrer la réalité du mosaïcisme. Alors, juste un exemple ici, une femme de 39 ans qui présentait 5 carcinomes basocellulaires depuis l'âge de, qui a présenté 5 carcinomes basocellulaires depuis l'âge de 37 ans, 2 kystes odontogéniques depuis l'âge de 13 ans, calcification de la faux du cerveau, kystes mammaires et ovariens. Donc, vous le voyez, on caractérise une mutation en mosaïque avec 4% ici de mosaïque dans une biopsie de peau saine.
Exactement la même chose, hein, on a 5% de ratio allélique et on avait pu analyser un carcinome basocellulaire avec 80% de cellules tumorales et là on va retomber dans quelque chose que l'on connaît, hein, c'est-à-dire un ratio de 48% de l'allèle variant, 52% de l'allèle normal ou vice-versa. Et donc là, ça démontre un enrichissement dans le matériel tumoral du variant qui est logique avec deux choses. Un, le mosaïcisme somatique et deux, l'implication de patch 1 dans la survenue du carcinome comme événement de survenue du carcinome basocellulaire. Alors, si on regarde un peu en situation tumorale, eh bien, c'est simplement une remontée de cosmic. Vous le voyez également, l'ensemble de la séquence codante est impactée. Il n'y a pas de point chaud, à l'exception de cette grande barre histogramme que vous voyez sur quasiment le dernier exon ou le 23e exon de patch 1, mais qui en réalité est une anomalie d'étiquetage de la base de référence au niveau du génome. Donc, ce qui fait que tous les prélèvements qui sont séquencés portent cette variation, mais qui n'est pas relevante. Au niveau le pourcentage d'implication de patch dans les tumeurs, vous le voyez, elles sont situées au niveau de la peau, ce qui est tout à fait attendu. Alors, juste un petit bref présentation, c'est que dans le pathway de signalisation, ainsi que le disaient Léa et Fanny, vous avez SUFU, qui est la deuxième cible gène suppresseur de tumeur, et pour laquelle nous réalisons l'analyse. Alors, les données sont plus parcellaires pour nous sur SUFU. Nous ne sommes pas le laboratoire qui est systématiquement appelé, je pense, pour des recherches de mutations de SUFU. Donc, brièvement, c'est un gène localisé sur le bras long du chromosome 10, un locus assez large, peu d'exons, hein, 12 exons transcrits, un grand transcrit et une séquence codante de 1,5 kb. Et donc, vous le voyez sur les 30 variants que nous avons caractérisés. Donc, c'est une, l'IGER avait arrêté à un moment donné de réaliser ce diagnostic-là et nous l'avions repris et nous le poursuivons, hein. Nous avons trouvé beaucoup de mutations faux sens, un tiers sont des mutations faux sens. Et dans les variants de classe 5, alors en réalité, les variants d'épissage, on les met en classe 4 en attente de vérification fonctionnelle. On a, de manière écumolaire, des non-sens, des grands rangements et des frame shifts. Alors, vous avez ici, par exemple, une présentation d'une délétion des exons 4 à 6, avec des carcinomes chez une femme, avec des carcinomes basocellulaires à 40 ans, bosse frontale, hypertélorisme, et des carcinomes basocellulaires chez le père et la fille. Et vous le voyez ici, la description de la délétion des exons 4 à 6. Alors, pour nous, les mutations de SUFU chez les adultes vont entraîner ce qu'on va appeler un phénotype un peu, non parfaitement documenté, mais un phénotype de type Gorlin-like, où il y aura une somme souvent de critères mineurs et rarement un critère majeur, ou alors il y aura un critère majeur dépourvu complètement de critères mineurs. On avait pu démontrer ici, là encore, le séquençage à des points de cassure. Et puis le dernier qui est arrivé dans la danse par l'intermédiaire des méduloblastomes, ben c'est la caractérisation toujours par l'équipe, le signataire de Wazak, là, en 2020, donc Sébastien Wazak, avec la caractérisation de mutations d'ELP1 dans les méduloblastomes de type SHH. Donc ELP1, c'est un gène qui est impliqué dans le complexe d'élongation, situé sur le chromosome 9, avec 37 exons, donc très grand gène. Très brièvement, parce que je suis à la fin de mon temps, il a été caractérisé sur 171 méduloblastomes. Vous le voyez, des mutations délétères de LP1 qui se répartissent là aussi sur l'ensemble de la séquence codante. Dans les séries d'entraînement et plus particulièrement, vous le voyez ici, dans les méduloblastomes de type SHH, il a été caractérisé dans les méduloblastomes SHH de l'enfant et pas du nouveau-né. Il a été caractérisé pour un quart les mutations de LP1. Il y a une transmission familiale qui a été décrite dans deux familles qui ont été publiées. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est simplement l'analyse du papier. Et nous, on a un résultat à Bergonié qui ne colle pas complètement avec ce qui a été décrit. Donc, le papier faisait remonter que l'âge médian au diagnostic était de 6 ans. On retrouvait des mutations de TP53 et de patch qui pouvaient être associées, évidemment, avec P53, une exacerbation du phénotype d'agressivité.
Et puis, dans les modèles d'événements mutationnels somatiques qui ont été analysés, il suggérait en réalité qu'il y avait d'abord un variant constitutionnel, perte de fonction de LP1. Le second variant arrivait avec la perte du chromosome 9 embarquant patchin, en fait, puisque les gènes sont très proches, si le bras chromosomique est perdu. Et il pouvait y avoir un second variant d'inactivation de bialélique, donc de patch, sur le même allèle que la perte de fonction de LP1. À Bergognet, nous avons caractérisé en mutation incidente une anomalie par décalage du cadre de lecture dans l'exon 35, donc on se situe à la fin du gène, chez une femme de 67 ans qui avait présenté un cancer du sein triple négatif isolé. Et donc, on n'a pas creusé plus loin. C'est le seul variant qu'on a, au vu de la présentation, plutôt mis en classe 3, sans trop savoir comment le classer. Voilà, je voudrais remercier l'ensemble de l'équipe. Ah oui, juste dire une chose, c'est qu'on a également GPR161 dans le panel, pour lequel on a trouvé un variant délétère également dans le dernier exon, dans une famille, dans une histoire familiale de cancer colorectal. Et là aussi, on n'a pas rendu ce variant. Donc, je voudrais remercier l'ensemble de l'unité d'oncogénétique de l'Institut Bergognet, que ce soit sur la partie clinique ou la partie labo. Et dans la partie labo, plus particulièrement, les personnes qui m'ont aidé à préparer ce topo en remontant les données, Françoise Bonnet, Nathalie Jones, Sabine Rad et Eulalie Lasso. Merci à vous tous. Eh bien, merci Nicolas. Bah, écoute, tu nous avais parlé de diapo artisanal. Bon, c'est de l'artisanat bien fait, hein, voilà. C'est pas très complet en analyse de phénotype et tout ça, mais comment dire, bon, voilà. C'est quand même pas mal, Nicolas. On sait qu'on a des deadlines, on laisse un peu courir le temps, et puis au moment où il faut s'y mettre, on se dit ouf. C'est parfait. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Non, pas de questions pour Antoine. Nicolas. Donc, tu peux nous redire finalement dans le panel, en tout cas à Bergognet, les résultats en tous les cas que tu rends aux cliniciens. Donc, outre les deux gènes principaux, tu as mis en plus le petit dernier et puis un quatrième dont j'ai à peine entendu. GPR 161 dont a bien parlé Léa, en fait. Donc, oui, c'est Léa, ça, au début. Léa, je peux poser une question. Alors, oui, en fait, c'était juste pour rebondir parce que c'est très intéressant d'avoir justement les deux visions complémentaires et croisées. Parce que, effectivement, ELP1 et GPR 161 ont été publiés comme prédisposants à la survenue du méduloblastome. ELP1, ça reste probablement un des principaux gènes. Donc, en fait, c'est probablement encore plus fréquent que SUFU. Donc, on a P53, on a probablement ELP1 qui est le plus fréquemment associé à une prédisposition méduloblastome. Ensuite, on a P53, SUFU, et puis après, on a PATCH et GPR161. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que nous, on est dans la situation où on identifie ces variants soit directement en constitutionnel, soit en somatique puis constitutionnel, et qu'on rend ces variants à ces familles, et que derrière, on est confronté à une grande difficulté qui est quel est le risque oncologique autre, s'il y en a un qu'on ne connaît pas, et quel est le risque de survenue du méduloblastome chez les frères et sœurs qui sont éventuellement eux aussi porteurs de la prédisposition. Et donc, on a pas mal travaillé, et en particulier sur ELP1, et on a exploré un certain nombre de familles pour lesquelles on s'est rendu compte que petit 1, ils ne sont pas très phénotype Gorlin, il y a éventuellement la macrocéphalie et c'est tout, que c'est hérité dans 100% des familles qu'on a étudiées, on a à peu près une dizaine de familles qui sont étudiées, que c'est soit le père, soit la mère de manière à peu près 50-50, et qu'il semble que la pénétrance soit assez faible. Et qu'on est plutôt à avoir tendance à proposer de ne pas surveiller de manière systématique les autres apparentés porteurs et même les enfants. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est parce que vous vous retrouvez à identifier des choses via d'autres tumeurs et c'est encore plus difficile d'en faire de savoir si c'est finalement la survenue d'une tumeur qui n'a rien à voir avec ELP1, et nous, on a les mêmes questionnements de l'autre côté. Alors, GPR161, on a encore beaucoup moins de données parce que c'est encore moins fréquent et on est dans les mêmes problématiques. Merci beaucoup pour ce commentaire. Nous, juste dire le peu d'expérience qu'on a en fait dans le diagnostic moléculaire,
c'est que lorsque les patients sont adressés avec comme signe clinique unique carcinome basocellulaire multiple, dans presque aucun des cas, nous ne trouvons de... et que l'examen clinique a été complet, c'est-à-dire sur les autres facettes, notamment l'aspect odonto, hein, et que tout est remonté négatif, nous ne trouvons quasiment jamais une mutation de patch. Par contre, dès qu'il y a un signe clinique majeur, associé parfois même à un seul clinique mineur, dans presque tous les cas, on trouve un variant délétère de patch et beaucoup plus rarement un variant de SUFU. Mais le fait est que avec une clinique bien remplie, en fait, on a un taux d'élucidation diagnostique qui est quasiment de 40%, ce qui est très élevé, en fait, hein, qui est de 35 à 40%. Voilà. Mais je pense qu'il faut avoir vraiment un look complet sur le... Et il te manque les informations cliniques dans combien de cas? Je vais dire, dans 7 cas sur 10, il nous manque des informations cliniques. Oui, donc c'est à compléter, quoi. Okay. C'est pour ça que le topo ici est intéressant. Je pourrais faire passer à l'ensemble peut-être de la communauté les deux liens Internet qui, si vous souhaitez nous envoyer vos prélèvements, comprendra. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, depuis 2001, nous réalisons 100 à 150 diagnostics constitutionnels, moléculaires constitutionnels de patch, et nous réalisons à la demande la recherche de mutations somatiques de patch avec exactement la même banque, hein, qui est une banque de 65 gènes, dont vous le voyez, les quatre impliqués ou reliés au gorlin ou au médulloblastome familial. Et dernière remarque, donc pouvez-vous nous redire quels sont, alors quel est, est-ce qu'il y a un labo unique en France qui s'occupe de ces analyses ou est-ce qu'il y en a plusieurs et lesquels? Alors, comment dire, longtemps, il y a eu deux laboratoires qui étaient Bordeaux et l'IGR. L'IGR s'est temporairement arrêté. L'IGR, vous avez repris, je crois, il y a 2 ou 3 ans maintenant. Et donc, nous sommes, je crois, deux laboratoires à faire patchin en expertise. C'est oui, ça? Et je pense qu'on peut aussi rajouter le laboratoire de l'Institut Curie, où il y a aussi… Ah oui, bien sûr, pour le somatique. Et le Constit aussi. Et le Constit aussi, oui. Ah oui, pardon, oui. Bah, toutes mes excuses. Mais après, toutes je pense… Toutes mes excuses à mes amis de Curie, hein. je suis absolument désolé. Mais je pense qu'il y a quand même diverses… Enfin, les différents laboratoires se sont quand même… probablement ont élargi de plus en plus leur panel et peut-être que ces gènes-là font partie des panels dans d'autres laboratoires plus larges que les trois qu'on a cités. Ça, je oui, sais pas. Bon, enfin, disons qu'ils ont, en tous les cas, qui sont pour particulièrement experts oui. Sur l'interprétation des variants. Oui, voilà, c'était, j'ai presque envie de dire, ces laboratoires auxquels je faisais allusion, mais tu as raison, bien sûr. Sur des analyses larges, maintenant, on peut voir plein de choses. On est d'accord. Bon, alors, bah, écoutez, il y avait Virginie qui avait levé la main, mais oui. Peut-être qu'elle n'était pas là au début. Virginie, en fait, on ne peut pas vous donner la parole. Donc, si tu as une question, il faut la poser dans la partie questions-réponses. Alors, c'est peut-être une erreur, mais le temps que tu poses ta question, ouais, je voulais en profiter pour remercier Daniela et Alan. Pour l'organisation du webinaire, sans accroc pour cette fois, on a pu. Voilà, donc merci pour votre vrai, support à tous les deux. Voilà, comme ça vous voyez, merci à vous. Ouais, voilà. Daniela et Alan qui ont organisé à Unicancer ce webinaire. Bah, il y a du troisième, on y est arrivé. Voilà, donc. Il y a une question de Pierre de Vulder. Ah, qui est arrivé. Okay. Faut-il réaliser un bilan orthopédique radiothorax une fois que le diagnostic est posé au vu de la radiosensibilité? On l'avait déjà posé. Ouais. Ah, pardon. Oui, excusez-moi. Et du coup, Virginie, en profite pour nous dire c'est une erreur de manip. Okay. Ah, non, mais Virginie, dommage, on voulait te donner la parole, mais non, voilà. Bon, bah, écoutez, je crois qu'il est 13h44, donc bon, voilà, c'est une bonne heure pour arrêter ce webinaire hein, qui sera mis à disposition de toute façon en différé. Vraiment, mille merci à nos trois orateurs pour avoir vraiment fait vraiment un tour d'horizon de ce syndrome.
pour les membres du groupe, à très bientôt. Donc, prochaine réunion du groupe le 5 juin, je vous le rappelle. Donc, à très bientôt. Et encore une fois, merci à tous les orateurs. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci. 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 Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.